Alléluia. Amen. Avant toute chose, je voudrais saluer l'homme de Dieu. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Merci. 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 Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci pour l'accueil. Nous avons été bien accueillis. Ce matin, comme il a dit, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Et il raconte cette histoire comme si c'était hier. Et ça me fait chaud au cœur. Merci pour cette reconnaissance. Effectivement, c'est mon père spirituel. Je suis de l'église Sema, mais c'est mon père spirituel. Dans le ciel, il n'y a pas d'église, mais c'est le corps du Christ. Là où on parle de Jésus-Christ, on se sent chez nous. Alléluia. Et c'est justement pour cela que ce matin, nous sommes au milieu de vous. Pour vous annoncer un grand moment de louange. Une de nos sœurs, qui a aussi même sa fille, qui est chante, elle a décidé de venir dire merci à Dieu à travers un concert, un grand concert, ici à l'église Sema de Saint-Fra, le dimanche 27 octobre 2024, à partir de 14h, dans la cour de l'église Sema de Saint-Fra. Et vous constatez que ici, c'est la photo du pasteur, le surintendant de région de l'église Sema de Saint-Fra, avec qui je travaille, je suis son secrétaire. Il a donné son autorisation pour que ce concert ait lieu. Et donc, il m'a mis comme le responsable de ce concert au niveau du comité d'organisation. Il m'a donné ordre de parcourir là où on parle de Jésus-Christ pour annoncer ce concert. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Alors, ce concert aura lieu avec une de nos sœurs qui s'appelle Christelle Faveur, que je vais demander de recevoir ses beaux applaudissements. Voici notre sœur. Elle chante de l'Éternel. Le Seigneur lui a donné le don de la louange et de l'adoration. C'est une fille de Saint-Fra et elle a décidé de dire merci au corps du Christ, au peuple de Dieu de Saint-Fra. Ce dimanche 27 à partir de 14h, elle ne viendra pas seule. Il y a ses grands frères, parce qu'elle vient de commencer, ses grands frères et ses grandes sœurs chantent de l'église qui ont essayé d'accompagner. Et ce matin, elle est venue avec quelqu'un pour confirmer ce que nous allons dire. C'est lui-même qui est le producteur de tout ce qui se passe. C'est le producteur, le manager, c'est lui qui fait tout. Notre frère, Alice Brou, il est venu pour confirmer ce que je suis en train de dire. Si vous avez entendu que le 27 octobre, 2024, qu'il y aura un concert à l'église Sema de Saint-Fra, c'est grâce à ce monsieur. Ce monsieur venait me dire ce matin de vous dire que à ce concert de Christelle Faveur, il y aura Maggie et Cécile. Les gens posent la question, est-ce que Maggie et Cécile vont venir faire quoi à Saint-Fra? Lui, il est venu me dire de vous dire qu'elles seront à Saint-Fra. J'ai le fait petit Mato qui a fait le palais de la culture, qui a rempli la 4000 places, sera aussi à Saint-Fra 2007. Tina le Christ sera à Saint-Fra. Et Timothée le Béni sera à Saint-Fra. Tous ces chants-là seront à Saint-Fra. Sans oublier notre père spirituel qui a décidé de nous accompagner. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Thank you.
sommes venus vous porter ce matin, notre sœur a besoin de votre soutien, de notre soutien. Alors, nous sommes venus vous dire que ce conseil aura bel et bien lieu. Nous allons mobiliser assez de moyens pour offrir un grand podium. Les grands podiums des grands spectacles que vous voyez à Abidjan, il y aura un camion podium qui va venir s'installer à